bien du temps avant de démarrer, tu laisses bien du temps avant de finir, et tu repars à zéro en laissant du temps. Et éventuellement, tu peux t'arrêter et écouter de la musique ou ne pas écouter de la musique. Si c'est pas de la musique, tu as rien. Et si c'est pas de la musique, eh ben, tu arrêtes la radio. Tu... Un coup de ton doigt sur le tambour décharge tous les sons et commence la nouvelle harmonie. Un pas de toi, c'est la levée des nouveaux hommes et leur en marche. Ta tête se détourne, le nouvel amour. Ta tête se retourne, le nouvel amour. Change nos lots, crible les fléaux, à commencer par le temps. Te chantent ses enfants. Élève n'importe où la substance de nos fortunes et de nos vœux. On t'en prie. Arrivé de toujours, tu t'en iras partout. Ta tête se détourne, le nouvel amour. Ta tête se retourne, le nouvel amour. Change nos lots, crible les fléaux, à commencer par le temps, que chantent ses enfants. Élève n'importe où la substance de nos fortunes et de nos vœux. On t'en prie. Arrivé de toujours, tu t'en iras partout. Ton doigt sur le tambour décharge tous les sons et commence la nouvelle harmonie. Un pas de toi, c'est la levée des nouveaux hommes et leur en marche. Ta tête se détourne, le nouvel amour. Ta tête se retourne, le nouvel amour. Change nos lots, crible les fléaux. À commencer par le temps, te chantent ses enfants. Élève n'importe où la substance de nos fortunes et de nos vœux. On t'en prie. Arrivé de toujours, tu t'en iras partout. Tu parlais que je vais gérer 2 minutes. Ah oui, mais il y a un problème sur le. C'est qui ou tu t'en iras partout. Tu me demandes si tu n'as pas fait une petite. Non, non. C'est qui où est-ce que. Là. Non. Qui, non. Il faut que tu gardes le qui. Non. Mais. Oui, on voit ça, les éditions diffèrent, mais celle-là, à mon avis. Oui. Faut que tu refasses le cadre, hein, parce que là t'as bougé. Là, je vérifie tout. Hein. Absolument d'accord. Je suis script aujourd'hui. Absolument d'accord avec toi. Tu savais le savon que j'ai passé à Tomoko ce matin. Elle a... Oh, t'es dur avec les femmes. Non, mais gentiment savon. Non, parce que j'avais préparé le cadre et après elle a passé la serpillière. J'y vais, bordel. Tu as raison. Mais non, mais il n'y a pas de raison. C'est-à-dire que c'est une phrase. Mais tu sais que c'est un poème qui est très très hermétique, hein. Oui. C'est l'arrivée. Ouais. J'ai lu 18 commentaires à peu près sur ce poème. Il n'y a pas un commentaire qui concorde. Chaque professeur de Sorbonne ou de faculté se contredit. C'est l'arrivée. Pensez un feu d'artifice. C'est l'arrivée qui va germiner. Oui. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Tu veux pas que je mette le numéro de ta page 104, ça ne s'en veut pas. Non. Enfin, si ça t'arrange, tu peux le dire, je regarde. Tu peux dire le numéro 104. Si tu te sens mieux avec le numéro 104, tu dis le numéro 104. Ça ne me gêne pas du tout. Laisse quand j'aurai fini de parler, tu laisses du temps. Voilà. Page 104. Un coup de ton doigt sur le tambour décharge tous les sons. Commence la nouvelle harmonie. Un pas de toi, c'est la levée des nouveaux hommes et leur en marche. Ta tête se détourne, le nouvel amour. Ta tête se retourne, le nouvel amour. Change nos lots, crible les fléaux. À commencer par le temps, te chantent ses enfants. Élève n'importe où la substance de nos fortunes et de nos vœux. On t'en prie. Arrivé de toujours, qui t'en ira pas. J'ai rien à ajouter. Moi, ça me va parfaitement. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Si tu veux, on va en faire une dernière plus professorale. Pardon, je vais couper mon écharpe, ma serpillière. Page 104.
coup de ton doigt sur le tambour décharge tous les sons et commence la nouvelle harmonie. Et commence la nouvelle harmonie. Un pas de toi, c'est la levée des nouveaux hommes et leur en marche. Ta tête se détourne, le nouvel amour. Ta tête se retourne, le nouvel amour. Change nos lots, crible les fléaux, à commencer par le temps, le chant de ses enfants. Élève n'importe où la substance de nos fortunes et de nos voeux. On t'en prie. Arrivée de toujours, tu t'en iras partout. Non, avant c'était mieux. Tu fatigues là. Oui. Bon. Voilà. Hein, c'était pas, c'était pas trop douloureux. Hein. La deuxième partie d'un film que j'ai commencé au Japon. Pour le moment, le titre c'est. Sumida, Rimbaud, Vézelay. Bon, c'est trois parties. Attends, tu dis le Sumida, c'est le fleuve qui traverse Tokyo. Donc la première partie du film, c'est en boîte, c'est fait. C'est une espèce de pérégrination poétique. Alors le poète qui sert de référence à la Sumida à Tokyo, c'est le poète Basho, parce qu'il se trouvait que Tomoko et moi, à Tokutu, enfin c'était la banlieue de Tokyo, on habitait juste en face de la maison du poète Basho, qui est, l'ancêtre de la poésie du grand siècle japonais, voilà. Et la deuxième partie, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est Rimbaud. Et la troisième partie, ce que j'ai un petit peu commencé depuis quelques temps pour God, c'est Vézelay. Oui, mais Vézelay, c'est large, c'est-à-dire, quand tu dis Vézelay, c'est Théodore de Bèze ou c'est Romain Rolland, c'est... Ah oui, très bien. Non, pas du tout Romain Rolland, c'est la religion catholique. Parce qu'il y avait, c'était la patrie des Théodore de Bèze. De Bèze, oui, oui, Théodore. C'est un personnage important, dont Buñuel parle d'ailleurs dans la marche. Saint-Jacques de Compostelle. Ah, ouais. Et Théodore de Bèze, en plus. Non, c'est pas Théodore de Bèze, c'est la religion catholique, alors c'est... Oui, en fait, tu sais, de la Sumida à Vézelay, c'est comment passer de la religion juive à la religion shintoïste, puis à la religion bouddhiste, puis, avec Rimbaud, à l'agnosticisme. Voilà, enfin, une espèce de traversée, une joyeuse traversée de toutes les religions. Voilà. Et donc, la religion juive, elle est mise sous oubliette, quoi. Elle est hors champ, quoi. Elle est définie. Elle est juste le point de départ, mais surtout pas le point d'arrivée. Voilà. Alors, Vézelay, pourquoi ? Parce que finalement, il faut dire les choses comme elles sont. Artistiquement, intellectuellement, physiquement, physiologiquement, je suis quand même beaucoup plus proche de la religion catholique que de la religion juive. Quoi. Je suis plus proche de la religion juive. Enfin, j'ai été proche de la religion juive quand j'ai été avant la mort de mon père, en quelque sorte. Maintenant que mon père est mort, je m'estime délié du contrat moral qui m'engageait à la fidélité. Voilà. Et comme je n'ai jamais été... comme j'ai toujours été, pour reprendre l'expression de Sigmund Freud, j'ai toujours été un juif infidèle, maintenant je préfère abandonner l'infidélité au judaïsme, et puis être plus proche d'une espèce de fidélité sans rentrer dans les ordres. Non, je suis pas question que je me convertisse ou que je me fasse curton. Non, mais être un tout petit peu, mettre en accord un peu mes émotions et mon intellect. C'est-à-dire que quand j'écoute le Requiem de Berlioz ou le Requiem de Mozart, enfin Mozart ça m'emmerde un peu plus, mais enfin quand j'écoute des œuvres religieuses, elles sont en général toutes d'inspiration catholique. Et que quand j'écoute le Razen ou le rabbin tel qui chante dans une synagogue, ça me fait chier. Bon, c'est pour ça. J'y peux rien. Ça ne m'émeut même pas. Et en plus. Voilà, tout est dit. Ouais, bon. Mais Schoenberg, il avait une phrase que j'aimais beaucoup, Schoenberg, enfin, tu sais qu'il s'était converti, reconverti, tu sais, le parcours de Schoenberg. Non, je n'ai pas trop son parcours. Ouais, c'est un type qui d'abord s'était converti au protestantisme, puis s'était reconverti au judaïsme.
parce qu'il ne voulait pas qu'on croie qu'il était, au moment de 1933, au moment d'Adolf Hitler, il ne voulait pas qu'on croie qu'il était en dehors de sa communauté d'origine. Mais c'est un type qui disait, ce que je n'aime pas dans la musique juive, c'est qu'elle pleurniche. Il disait, le lamento des violoncelles, tu sais. C'est ça que Chantal Akerman, elle adore. Et c'est pour ça que je ne supporte pas le cinéma juif de Chantal Akerman. Ça pleurniche au violoncelle. Mon Dieu, ça tu peux le garder. Mais toi, tu aimes bien le cinéma protestant aussi. Oui, beaucoup. Ah oui. Ben oui. Trier, Godard, etc. Trier, Godard, Pasolini. Ah non, Pasolini. Ah, bah, non, mais Dieu sait si Pasolini s'est inspiré de Trier et de Godard, quand même. Mais dans ses meilleurs moments, il est quand même protestant. Mais dans ses moins bons moments, il est baroque. Mais quand Pasolini fait bien ses plans un peu épurés, tu sais, il y a des plans comme ça dans... Même dans enfin, surtout dans Cantonet, mais même dans le film qui est un peu plus échevelé, le Christ, là, la Passion, l'Évangile selon saint Matthieu. Ben, même dans ce film-là où il y a à boire, à manger, mais même de temps en temps, il vide un peu son cadre. Hein, il le vide du trop-plein et à ce moment-là, c'est souvent plus intéressant. Ouais. Bon, je ne sais pas pourquoi je parle. Oui, le cinéma protestant. Mais... Vous vous connaissez comment, en fait? Du quartier, oui. On avait une petite amie en commun. Il faut dire les choses comme elles sont. J'ai pris le passage du relais. Enfin, à quelques mois d'intervalle, hein, c'est ça, hein, elle s'appelait Catherine, hein, c'est bien ça. Ouais. Son nom de famille que je connais. Catherine Bonin. Ah, je la connais très bien. Mais oui, puisque tu as filmé ses seins. Ah bah oui, le cinématon, bah, bien sûr. Ouais. Son cinématon, donc filmé en 82, oui. Juillet 82. Juillet 82, oui. Mais j'aurais dit 81, mais tu sais ça. Le cinématon, c'est une seule personne, on ne peut pas être deux. Ouais. Enfin, c'est un gros plan, enfin, comme tu as vu... avec Godard, et lui, il avait un peu, enfin, détourné un peu le truc, il avait fait un cadre normal, cinématon, et à un moment donné, peut-être au bout d'une minute, d'un seul coup, on voit notre ami Vincent en train d'aller vers le bord du cadre, et on voit d'un seul coup un sein qui entre dans le cadre. Mais après, elle passe derrière lui, donc... À l'époque, elle était quand même assez jeune, elle avait encore, je pense que maintenant... Bon, bref, pardon. Oui, enfin, tu les as donc connus avant moi, ces seins-là. Voilà, donc, et cette histoire, tu la racontes dans 2000 Cinématon, quand je t'avais filmé en janvier 2001. Alors, à ce moment-là, là, je parle de, dans comment tu appelles ça ? 2000 Cinématon. Tu sais, 2000 Cinématon, à ce moment-là, on parle beaucoup plus de Pialat. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Bah, d'ailleurs, cette histoire, j'en parle, si tu vas sur le site de Pialat, ils ont fait un entretien autour du cinématon de Pialat et je raconte tout ça. Oui, je l'ai vu par écrit. Il est par écrit. Voilà. Je l'ai vu par écrit. D'accord, voilà, c'est ça. Donc, et d'ailleurs, j'ai failli t'assassiner le jour où j'ai vu ça, mais en fait. Ah bon, parce que pour quelle raison? Oh, ben, je vais te le dire. Mais c'est pas grave, de toute façon, ça me colle au cul. Il fallait pas dire que tu étais l'assistant de ça. Ah, si, c'est au contraire, ça me va très bien. Non, théoricien du cinéma. Alors, je traîne ça comme un boulet. Ah, ben, ça, quand on a. Je traîne ça comme un boulet. Quand on a été à ça, cinéma, tu vois. Oui. À ça, tu as donné. Et, quand je, et donc, le type du. Le type du et le scotch qui est derrière. Le type du site, et donc quand il a lu ça, il a dit. Quand il a lu l'histoire, tu vois, tout ça, avec toi, tout ça, il dit ah, ça m'étonne pas avec Pialat, tu vois. Il était mort de rire, tu vois. Parce que bon, il dit ah, mais c'est pas possible. Évidemment, Pialat, il faut qu'il se fâche avec tout le monde, tout ça. Bah, lui, évidemment, lui, c'est vraiment un chercheur, il travaille que sur Pialat, tu vois. Le mec du site, c'est un jeune étudiant, enfin un jeune, c'est un mec qui ne doit pas avoir plus de 30 ans, qui est prof à la fac de Lyon, il bosse que sur Pialat. Voilà. Donc, c'est axé sur Pialat, donc il connaît tout sur Pialat. C'est comme ça qu'il m'avait contacté, parce qu'il était tombé cinématon Pialat, tout de suite, il m'avait contacté. C'était un type que je ne connaissais pas à l'époque, que j'ai rencontré après. Voilà. Donc, théoricien du cinéma. Non, mais dans la vie, quelquefois, il faut assumer son passé. J'assume. Hier, j'ai eu rendez-vous avec un monsieur qui s'occupe de l'INSERM, qui s'appelle Laurent Bloch, et d'ailleurs... Je le connaissais très bien, Laurent Bloch. J'ai fait son cinématon en 79. Bon. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Eh bien, il s'occupe, tu sais, il est directeur de l'informatique à l'INSERM. Je ne savais pas. Moi non plus. Mais il se trouve qu'on s'est recontacté. C'est impossible. Et alors, figure-toi... que j'ai un peu de honte à dire ça parce que j'aime pas trop dire les choses comme ça, mais il se trouve que c'est vrai.
Alors hier, il nous invite à dîner chez lui, 51 bis, non, on ne va peut-être pas dire son adresse, parce que, bon, enfin, près de la République. Vas-y. Et après l'apéro, il ouvre des placards plein d'archives, de bouquins, de machins, de revues, et il a archivé tout ce que j'ai écrit en tant que ce que tu appelles théoricien du cinéma. Non mais, écoute, et je me souviens évidemment pas du centième. Mais finalement, j'ai quand même. Non, mais j'ai quand même fait quelque chose. J'ai écrit beaucoup. Oui, c'est ça. Mais j'écris plutôt pas. Non, mais j'écris beaucoup. Puis moi, je me rendais pas compte que j'avais écrit tant que ça. Ouais. C'est de la folie. Mais en plus, je regardais juste quand tu dis. Mais j'ai été capable de pondre même une quantité comme ça. Oui. Oui. Non, bah alors c'est marrant parce que Laurent Bloch, ça fait tellement longtemps que j'ai plus le moindre contact avec lui. Il était lié au cahier du cinéma. Oui, bien sûr, voilà. Bien sûr. Et je l'avais rencontré, je pense, en 78, tu vois, et donc c'est un type que j'ai vu pendant un an ou deux, je voyais de temps en temps, puis après, puis après à un moment donné, c'est les Paris années, début des années 80, tout ce petit monde l'a explosé. Après la rupture avec Stéphanie de Mareuil, tu as dû la voir. Oui, je me souviens très bien de cette jeune femme, charmante d'ailleurs. C'était ma compagne avant Catherine Bonin. Oui, je me souviens très bien. Vous aviez la Cinémathèque ensemble, voilà. Tout ça. Alors, donc, après la rupture... Tu disais, vraiment, tu étais dédaigneux vis-à-vis de nous. Oui, non, je n'étais pas dédaigneux. J'étais timide et fier d'être un peu dandy, quoi. Enfin, si, oui. Tu me percevais comme ça. Ah bon? Oui, tu me percevais comme ça. Mais moi, à l'intérieur de moi, j'étais ultra timide et complexé. Mais je me donnais sans doute l'apparence de ça. Oui, oui. Ouais, mais elle, je ne sais pas, je n'ai pas revu. Je n'ai pas vu depuis 20 ans, tu vois. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Tu m'en avais parlé, mais je... Bah, elle est maintenant, elle est grand-mère. Oui, non, elle est assistante aux éditions du Seuil. Ah oui. Bah, oui, alors c'est quelqu'un que je n'ai plus jamais revu. Peut-être que je la recroise. Non, mais c'est pour expliquer, si tu veux, la petite bande, parce qu'il y avait toute une petite bande avec... Ouais, tu sais, il y avait celle qui a fait les gens extraordinaires, les gens normaux, ils n'ont rien d'exceptionnel. Oui. Tout ça, bon, enfin, tu vois, c'était tout ça, cette petite bande. Et puis après la rupture avec Stéphanie, moi, j'ai cessé de voir tous ces gens-là, quoi. Et dont Laurent Bloch. C'est marrant, ça. Quel monde est petit. Voilà. Alors donc, maintenant, on va passer à autre chose. Oui. Donc, je vais t'expliquer un petit peu l'aventure des cinématons. Oui. Parce que là, tu as vu un cinématon. Le principe, il est extrêmement simple, comme tu as vu. Je dis souvent le cinématon, bon, c'est un peu le degré zéro du cinéma, c'est-à-dire c'est un plan fixe, ça peut qu'être qu'un plan fixe, un gros plan, c'est-à-dire la grosseur d'une photo d'identité, grosso modo, c'est pour ça que ça s'appelle cinématon, et il n'y a qu'une seule prise, on est en muet, et la personne qui est filmée est libre de faire ce qu'elle veut, elle peut très bien ne rien faire que de faire quelque chose. Alors, en ce qui concerne les Godard, je l'avais filmé pendant le Festival de Berlin. En fait, on le voit avec toutes ces feuilles. En fait, c'est un contrat. C'était le contrat de vente de Sauf qui peut la vie à un distributeur allemand. Et à ce moment-là, donc, moi, j'avais assisté à la transaction. C'était Karmitz qui était producteur principal du film. Et donc, j'avais assisté à la négociation finale, qui avait duré à peu près une demi-heure. Et là, ce sont les feuilles du contrat qu'il paraffe pendant le cinématon. Et c'est lui qui avait voulu faire ça. Là, je lui ai dit, voilà, bon... qu'est-ce que tu préfères, tout ça, il m'a dit, ben voilà, c'est ça. Bon. Donc, on le voit, alors assez satisfait, parce que bon, quand on signe un contrat, bon, voilà, on se dit, c'est une bonne chose de fait, et il avait choisi de faire ça. Il y en a qui choisissent de ne rien faire, et le principe, on est libre de faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où la caméra est partie, je ne dis plus rien, je suis discret, je ne parle même, pas. Enfin, tu peux même sortir du cadre. Toi, bon, Vincent, lui, il avait été un cinématon très spectaculaire parce qu'il avait apporté une volupté extérieure qui, normalement, c'est interdit, mais c'est un petit malin. C'est-à-dire, normalement, c'est une seule personne, le cinématon. Ouais. Et comme la personne n'était pas... Elle n'était pas... Bon. C'était peut-être pas prévu à l'avance, si tu avais prévu ça. Ça s'est fait sur le coup, comme ça, là, elle était là, Elle était là, puis elle a toujours mes yeux un peu libidineux, voilà. Elle s'est dit tout, tout, tout. Oui. Non, je crois que c'était pas préparé. Certainement. Ouais. Mais vous voulez peut-être... Alors, donc, oui, alors, et je laisse le choix du lieu à la personne qui filme. C'est ça. Alors, si tu veux, je sais pas, être sur le balcon, ou à l'extérieur, ou ici, c'est toi qui me dis, moi je m'adapte à... Oui. Voilà. Ah, c'est bien. Très bien, d'accord. Et si vous voulez, moi, je me mets dans la salle de bain, comme ça... Si tu veux, si tu restes là, tu dois rien faire, être transparent. Ah oui, à mon avis, moi, je vais me mettre dans mon bain, d'accord. Japonais.
japonais, c'est-à-dire non, mais je veux dire, puissé. Ah, d'accord. Je reste dans mon bain, et puis quand vous avez fini, tu frappes. Je frappe à la porte. C'est tout. Je crois que c'est aussi simple. Hein. C'est ouais, très bien. Comme ça, je vous fous une paix royale. Et puis, ça va bien. Voilà. Et là, derrière. Bonjour. Bonjour monsieur, merci voilà. D'être là. Ça fait très plaisir. Pascal Gallet, un des fils de Saint Gallet. Et mon frère, je ne sais pas où il est. Voilà. Que tu es gentil d'être là. Que tu es gentil d'être là. C'est vrai? J'en suis d'autant plus heureux. Ouais. Il y avait le croisement. Voilà. Voilà. C'est ça qui nous a fait rencontrer. Hein. C'est là-dessus qu'on s'est rencontrés. Merci Dante. Ben oui, c'est celui qui... sur lequel on se fonde, nous aussi, mon frère, moi. Je suis bon, très près de lui. Merci. Est-ce que je peux te présenter en face, oui, c'est pour deux. Et ma nièce. Ça va bien. Voilà, et là derrière. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Très bien, merci. Est-ce que je peux vous présenter M. Armandetti? Elle est l'adjointe au maire chargée de la mémoire. Voilà. Voilà. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui est chargé de la mémoire. Rassemblés face à cette plaque et cet immeuble. En commun vote du Conseil de Paris, on a décidé les 26 et 27 septembre 2005. Vous allez maintenant assister à la cérémonie d'inauguration de la plaque à la mémoire de Toussaint Gallet, résistant, déporté, qui assura l'accueil de ses camarades déportés à l'hôtel Lutetia en tant que médecin-chef des centres de déportés. Sur la façade de cet immeuble, où il habita jusqu'à sa mort, 1970. La cérémonie débutera par un discours d'accueil de M. Pierre-Christian Bottinger, maire du 16e arrondissement. Mme Odette Christienne, adjointe au maire de Paris chargée de la mémoire, du monde combattant et des archives, prononcera ensuite son allocution au nom de M. le maire de Paris. Il reviendra à Messieurs Pascal et Dominique Gallet de conclure les allocutions. À l'issue des discours, Mme Christienne, Monsieur le maire du 16e et messieurs Pascal et Dominique Gallet procéderont au dévoilement de la plaque sur cet immeuble. Après le dévoilement, nous vous demanderons de bien vouloir respecter une minute de silence qui sera suivie de la Marseillaise. Pour clore cette cérémonie et en hommage aux femmes et aux hommes de la Résistance, vous entendrez le chant des partisans. Je vous donne maintenant la parole à M. Pierre-Christian Tétinger, maire du 16e. Je voulais d'abord vous souhaiter la bienvenue, vous remercier en tant que maire de cet arrondissement d'être venu nombreux pour honorer la mémoire d'un homme à qui aujourd'hui Paris rend hommage. Et voici réunis devant cette maison où il a vécu avec sa famille, où il a reçu ses amis, où il a reçu les gens qui avaient plaisir à retrouver. Il y a une vieille tradition dans Paris, c'est de marquer les itinéraires
des gens qui ont créé par leur vie, qui ont accompli par leur œuvre, par les gestes d'engagement qu'ils ont pu avoir, une œuvre dont nous avons le devoir de garder la mémoire. Pendant longtemps, dans cet arrondissement, des plaques étaient réservées à des hommes de lettres. Au 17e, c'était Racine, c'était Molière, c'était Boileau. Nous rappelions aux passants et aux touristes qu'ils étaient vivants encore dans cet arrondissement. Et puis, il y a eu le 18e siècle avec les encyclopédistes. Et puis est arrivée la guerre. À partir de 14-18, nous avons rappelé le souvenir d'hommes, de femmes qui, pendant cette guerre, avaient joué des rôles marquants et que nous n'avions pas le droit d'oublier. Aujourd'hui, c'est un homme qui a choisi son devoir, qui l'a accompli à une époque où le devoir était une notion très difficile pour beaucoup à connaître. Lui a fait le choix et il était jusqu'à la logique de ce choix. Alors aujourd'hui, simplement, c'est un témoignage de reconnaissance, de gratitude pour nous et puis surtout pour ceux qui traverseront cette rue, qui regarderont les plaques, parce qu'énormément de gens regardent les plaques dans les rues de Paris, et ça sera un souvenir de dire que le temps passe, les gens s'éloignent, en souhaitant que jamais nous ne retrouvions les mêmes périodes et les mêmes temps, mais simplement que cette plaque veut dire que nous n'oublions pas. Adjointe au maire de Paris chargée de la mémoire. Les amis, la famille, Monsieur Gallet, Monsieur Gallet, mesdames et messieurs, on a l'expérience du bien qu'en l'accomplissant, décrit Simone Veil dans un ouvrage, La pesanteur et de la grâce. Nul doute qu'à tous les moments de sa vie, Saint-Gallais ait repris à son compte cette profession de foi et qu'il ait fait de ce principe une règle de conduite. Toussaint-Gallais était en effet du petit nombre de ceux qui ont donné d'emblée et sans compter le meilleur d'eux-mêmes pour les causes les plus nobles, celles de l'homme et celles de la France. Fort jeune, en puisant à deux sources, l'humanisme agissant et le patriotisme exigeant. Né dans les premières années du siècle, Toussaint Gallet se destine très tôt à la médecine, une médecine au service des hommes. Il en vit l'exercice comme une vocation. Il ne tarde pas à donner un visage aux valeurs de dévouement et de disponibilité. C'est ce même don de soi, doublé d'un grand courage, qui verra en juin 1940 dans la forêt d'Orléans, le jeune médecin lieutenant secourir ses camarades blessés sous le feu de l'ennemi et plus tard, le résistant soigner ses compagnons de longue vie. Aspirant aux grandes entreprises, rempli jusqu'au bord de l'âme de la passion de la France, Toussaint Gallet en effet rejoint la résistance. Au sein du réseau GAM, il dirige un groupe d'agents officiants dans la région du Havre. Ils ont à charge, dans ce couloir stratégique de Normandie, de recueillir des renseignements sur les lignes de défense allemandes, une mission d'autant plus importante que s'annonce le débarquement à Lille. Sa tâche, même à partir de Paris, n'est pas facile. La France est surveillée. Chacun doit rester sur ses gardes, car chacun se trouve menacé. Dans ce climat de chasse à l'homme, ont restauré la Gestapo et la police de Vichy. Saint-Gallais se sait chercher. Il n'en continue pas moins le combat au péril de sa vie. Car en ce printemps 44, la libération est là, toute proche, nulle n'en doute maintenant. Elle requiert l'effort de tous, au prix souvent des plus grands risques, et la répression de l'occupant est devenue féroce. Le destin d'ailleurs ne laissera pas le temps à Toussaint-Gallais de parachever sa mission. Arrêté à Paris le 23 mai 1944, torturé par les hommes de la Gestapo auxquels il oppose son silence d'homme, mis au secret après, sous le sinistre régime de Louis Brouillard, il a
Français déportés à Buchenwald par le dernier convoi du 15 août 44. Là, il fait la plus effroyable des découvertes, celle d'un univers où l'on ne sait ce qui prévaut de la barbarie ou de la démence, et de toutes parts, la haine craint son enveloppe. Il y est témoin de scènes atroces, et à travers ce cortège inouï de monstruosité, de ce que les doctrinaires nazis ont délibérément rompu tous les liens humains. Dans le monde, tous pareils, c'est-à-dire humains, et tous différents, c'est-à-dire eux-mêmes, les hommes forment une communauté d'exception. Ce qui s'expérimente, à l'inverse, à Buchenwald, c'est la fusion des individus en une totalité compacte et anonyme. Rien de ce qui démarque un homme d'un autre homme n'a droit de citer. Les coups, la faim, la privation de parole, la tête rasée, tout est fait pour anéantir l'identité unique de chacun et pour qu'il ne reste de l'homme que l'organe d'un seul genre qu'on peine encore à appeler humain. Dans l'horreur de Buchenwald, Toussaint Galet ressent l'impérieuse nécessité de lutter contre l'écroulement des racines humaines, contre la désagrégation de tout ce qui fait la raison d'être ce qu'il a secouru. Conscient des dangers que courent ces hommes et des organismes que la déportation a laissés faibles et démunis, il élabore un programme pour dire toute notre admiration et notre gratitude à l'égard d'un homme qui avait sans doute toutes les raisons de désespérer de l'humanité et qui fit précisément sa raison de vivre et d'espérer. Un espoir et une lumière qui éclairent de leur générosité radieuse cette révolte qui portait en lui devant toute souffrance humaine. Une espérance qui a trouvé à s'incarner après la guerre à travers son itinéraire d'homme et de médecin. Président de l'Association des médecins déportés, président de la Commission de réforme des déportés, Toussaint Galet poursuivra une œuvre exemplaire de solidarité à l'intention de ses compagnons et de leurs familles. Il n'aura cesse d'entretenir le souvenir de ses frères d'infortune disparus dans les camps en rappelant le sens de leur sacrifice. Constant attachement à rendre accessible au plus grand nombre les savoirs et les progrès de la médecine. Fondateur du journal Santé publique et plus tard de la revue française de gérontologie, médecin inspecteur principal de la jeunesse et des sports. Elle esquisse le visage d'un être profondément humain, capable de lire dans les cœurs et de chercher à soulager toutes les misères, celui d'un homme engagé dans son siècle. Aujourd'hui, alors qu'en présence de sa famille et de ses proches, nous inscrivons son nom au cœur de la capitale, nous avons une pensée émue pour ce grand serviteur de la France. La parole est à Monsieur Pascal Emmanuel Hélène. Bonjour. Cette inscription que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas un monument de déploration. 36 ans après le deuil, c'est cette évidence qui s'impose. Toussaint Galet, notre père, bien-aimé, n'a jamais été une victime, parce qu'il ne s'est jamais considéré comme une victime. Cette inscription, qui désormais restera sur la façade du 33 rue Poussin, notre maison, est un monument d'énergie et d'espoir. Je remercie Monsieur le maire de Paris et Monsieur le maire du 16e d'avoir accordé ce bonheur et cette fierté à ses fils, à ses petits-enfants qu'il n'a pas connus, à ses amis, à ses compagnons et camarades encore parmi nous, d'avoir inscrit cette mémoire dans la pierre de Paris, dans la pierre d'un monument de victoire. Notre père aurait eu 100 ans le 4 juillet dernier. Ce siècle a vu naître dans notre famille 3 générations. Chacune a eu et aura son lot de combats et d'ardeur dans la fidélité à la patrie et l'ouverture au monde. Je voudrais évoquer simplement un de ces combats, une de ces victoires, qui traverse ces 3 générations. Quand j'ai demandé à ma grand-mère, « Pourquoi avez-vous, avec mon grand-père, voulu que votre fils apprenne l'allemand ?» Elle m'a répondu, « Il faut connaître la langue de son ennemi. » Quand Erika, jeune Allemande de 20 ans qui a vécu ici quelques mois avec nous en 1960,
demanda devant moi à mon père, à notre père, mais comment, après avoir subi ce que les Allemands vous ont fait subir, pouvez-vous faire apprendre leur langue à vos enfants? Pourquoi? Il lui a répondu, pour que cela ne puisse jamais se reproduire, il faut se connaître. Et c'est d'abord par sa langue qu'on se connaît. Quand Sophie Catherine, ma fille bien-aimée, est entrée en sixième, j'ai pu enfin lui dire seulement « Apprends l'allemand, c'est une si belle langue et si importante pour notre pensée. » Il a fallu 3 générations pour cette victoire de l'intelligence et de la liberté. C'est une des victoires de Toussaint-Galles. Je voudrais terminer en évoquant 2 belles et grandes ombres qui seraient si fières d'être parmi nous, sa mère, Marie-Thérèse Lorenzi, son épouse, Thérèse Raquin, qui toutes deux l'ont si tendrement aimé. La parole est maintenant à M. Dominique Gallet. Elle voulait transmettre de son combat comme une métaphore de la vie. Il n'évoquait jamais l'angoisse du résistant traqué par la Gestapo, les souffrances de l'être humain déporté dans l'antre de la bête. Non, il ne parlait jamais des terribles épreuves. Il nous faisait comprendre l'esprit de la résistance, ce combat sublime pour la liberté d'un peuple, le peuple français, contre une idéologie, le nazisme, et non la haine du peuple allemand. Lui, le patriote français, était germaniste et grand admirateur de Goethe. Paradoxe tragique, Weimar était à quelques kilomètres de Buchenwald et l'arbre au pied duquel l'écrivain aimait venir méditer se trouvait dans l'enceinte même du camp de concentration construit par les nazis sans être conscient de la portée symbolique de leur acte. Hitler déportait aussi qu'eux. La vision quotidienne de la silhouette noire et squelettique de l'arbre qui se dressait était pour de nombreux déportés un signe, une raison supplémentaire de faire face à la barbarie nazie et de continuer à croire en l'homme. Il m'a fait comprendre le sens du patriotisme comme un humanisme que tout oppose au nationalisme, comme une précieuse contribution à la diversité humaine. Il m'a fait aimer la France comme une idée indispensable au monde, l'idée de la République et de ses valeurs universalistes. Une France si souvent rebelle, refusant les fatalités, les oppressions et les injustices, et dont la grandeur est de mettre sa liberté au service de la liberté du monde. Son sourire loyal et bon de tous les instants, qui exprimait la noblesse de son âme, sa force de caractère exceptionnel, son sens profond de la fraternité humaine, ont été pour moi une exceptionnelle initiation à la vie. Et dans le fracas chaotique de la réalité du monde, son exemple est une boussole lumineuse, une étoile chaleureuse qui a toujours guidé mes choix, mes engagements, ma vie. Non seulement je suis infiniment reconnaissant aux maires de Paris, aux maires du 16e arrondissement et à tous les élus parisiens d'avoir décidé d'honorer la mémoire de notre père, Dr. Toussaint-Galles, mais aussi d'avoir choisi la date du 19 juin pour cette cérémonie de dévoilement. Au lendemain de l'appel du 18 juin, lancé par le général de Gaulle, chef de cette armée des hommes, dont Toussaint-Galles était un des soldats. Mais aussi au lendemain de l'anniversaire qui marque le premier grand acte de résistance française, un acte de dignité humaine, de fraternité républicaine, Jean Moulin, alors préfet de Chartres, au fond de la cellule, qu'il partage avec un tirailleur sénégalais, se tranche la gorge pour ne pas céder aux Allemands qui veulent l'obliger à signer une déclaration accusant les soldats africains de l'armée française d'avoir commis des crimes de guerre perpétrés par l'armée hitlérienne. Sauvé, in extremis et libéré, il rejoindra l'homme du 18 juin. Comme tous les enfants, comme toutes les familles de ces femmes et de ces hommes, aux conditions, aux origines et aux âges si divers, qui continuèrent le combat dans la France libre, je transmets. Mon épouse Mona Maki, qui a été formée à la mission laïque française de Beyrouth, ainsi que nos enfants Émilie et Joseph,
transmettre l'exemple, la parole essentielle qu'il nous a laissée en héritage. Pour nous, qui avons été si proches du foyer ardent, la tâche est évidente, exaltante. Mais la société, les institutions et nos élites dirigeantes qui ont en charge collectivement la transmission de l'héritage de fraternité républicaine, que font-elles pour la faire fructifier ou même simplement ne pas laisser l'héritage délabré? Ayons en mémoire l'avertissement prémonitoire que lançait Vercors dans ses chroniques de minuit. Il écrivait en mai 45, peut-être le plus grave danger qui périodiquement menace l'esprit humain réside-t-il dans cette tendance, cette facilité à laisser les idées et les mots devenir fossiles. N'oublions pas la confiance dans l'avenir, l'espérance de ceux qui acceptèrent d'aller jusqu'au sacrifice suprême sans parler pour leur décision ultime. Quel ressort intime, le sentiment essentiel qui les guidait dans leur ciel, les douces heures de leur passé, l'image des êtres aimés, mais aussi par leur silence, parler à la descendance. Madame Odette Christienne, Monsieur Pierre-Christian Tétinger, Pascal Emmanuel et Dominique Gallet vont maintenant procéder au dévoilement de la plaque.
Mesdames, Messieurs, la cérémonie est maintenant terminée. Nous remercions de votre présence. Cher Président. Bravo pour les terrains de football. Ah oui, mais là, je me suis marré. Il faut le lire après la page 20. Ah, j'ai tout lu. Ah oui. J'ai tout lu. Bon. Merci. Bon. Ah, bon. Ah oui, je suis content de vous avoir revu. Malheureusement, je suis inactif. Ah oui, oui. Ah non, c'est pas un livre sur le football. Non, pas vraiment, mais c'est drôle. Bonjour Jean-Marie. Jean-Yves Autexier, Jean-Marie Dorsex, pédiatre Jean-Marie. Moi je me demandais, voilà, je sais pas que tu es disparu. On a mis une plaque il y a 10 jours, oui, oui. Il était là. Oui, oui. Enfin, en odeur d'année, un écrivain québécois, c'est ça qui est marrant. Pas de Jean-Marie Dorsex. Pas encore pour moi, mais ça va venir. Il y aura dans un siècle. Dans un siècle. Quand tu seras mort. La reconnaissance sera posthume et considérable. Ça va toi? Ça va. La bonne vie. C'est déjà un va avoir une bonne nuit. Pauvre pays. Ne parlons pas de la France. Pauvre pays. Même au mondial, ça va pas. Ah. Si ça allait ailleurs, ce serait. Non, mais c'est quand même tellement. Tellement. Tout ça est un ensemble de miroirs et de symboles. Ne te cache pas, hein. Ne te cache pas. Un peu de présence. Mais oui, François Veil. Tu sais, François Veil est le fils de. Donc ses parents ont été cachés à Rouen par sa grand-mère dans sa pharmacie, voilà, pendant la guerre. Parce que ma mère, qui n'a pas fait état, qui s'est pas considérée comme une résistance, avait caché dans sa pharmacie pendant 2 ans les parents, parce qu'ils étaient considérés comme juifs, de monsieur. Et voilà, bon on n'en a jamais parlé, parce qu'elle pensait que c'était normal. C'était un simple devoir. Le problème, effectivement, c'est que... Et c'est normal, il n'y a pas encore un... Il y avait des risques. C'est comme ça qu'il fallait réagir, et c'est bien qu'elle n'ait pas voulu en faire, effectivement, ça, c'est... faire un état. Bon. Voilà. C'était comme ça, c'est sa modestie. Bon, en même temps, maintenant... Parce que tout ça ressort maintenant, je dis là. C'est une phrase que tu viens de trouver. Et les enfants, je voudrais qu'ils les aient. Je voudrais que vous disiez, toi et les enfants, au revoir. Ah bon? Oui.
On va prendre une photo avec vous. Myriam va nous prendre en photo. Emmanuel, où est-ce que vous et avec mon ami. Oui, c'est la vieille. Avec mes grands amis. Ça pas mis. Je me dis ici, je crois que c'est Merci. Non seulement les présents, mais les présents et les pouvoirs qu'ils représentent, si je puis m'exprimer ainsi, ce qui n'est pas du tout pareil. Les amendes. Pardon. Vous allez vendre. Non. Mais madame Colléva, 2 minutes, d'accord, on termine. Je vais finir parce que j'essaie d'être clair et rapide. Donc, l'objet de cette première modification de statut, c'est de savoir si l'association serait d'accord pour que à la place de présent égale une personne, ce soit présent physiquement plus pouvoir porté par les présents. Pourquoi ? C'est vraiment une question de confort, dans la mesure où je pense que cette assemblée qui ne peut pas voter aujourd'hui est quand même beaucoup plus représentative que celle qui va se réunir, parce qu'il y a un délai légal qui est, si ma mémoire est bonne, de 15 jours. Donc ça veut dire qu'il faut tout recommencer dans 15 jours et bien entendu, beaucoup d'entre vous ne seront pas présents. Donc c'est... Est-ce qu'avec les représentés et les mandats, il y aurait le quorum ? Oui. Donc c'est une question à la fois de transparence, de simplification et d'allègement du travail des équipes de la Cinémathèque, parce qu'administrativement parlant, ça coûte de l'argent, c'est long de réenvoyer tous ces courriers. Parce que l'Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra dans 15 jours n'aura pas besoin de quorum. C'est-à-dire, même si on est trois, les trois personnes voteront, ce qui peut être considéré, enfin, chacun l'apprécie comme il l'entend, mais c'est vrai que ça a un côté un peu absurde, que trois personnes votent, alors que même si on n'est pas 148 présents, on représente 148 personnes. Eh bien, on l'avait proposé, parce que la chose s'est passée l'année dernière, il y a 12 ans, n'est-ce pas, Sophie ? Et je crois que c'est prendre un risque si quelqu'un revenait sur cette position, l'Assemblée générale serait déclarée illégale. Donc on ne peut pas. Voilà, la deuxième proposition de modification, et là je vais laisser la parole à Jean-Michel Arnold, concerne une autre modification des statuts quant aux activités que la Cinémathèque pourrait couvrir et qui ne sont à l'heure actuelle pas prévues dans les statuts. Alors, je crois qu'il s'agit essentiellement de la bibliothèque, la librairie, pardon. Vous avez vu la librairie, je pense que vous l'avez vu. Si vous n'avez pas vu, allez la voir en sortant. Elle ne donne pas sur l'extérieur, elle ne donne pas sur le hall d'accueil. C'est une charmante cellule à animer à l'intérieur de la cinémathèque. Donc il n'est absolument pas possible, à mon avis, il n'est absolument pas possible de confier ça à un libraire, parce qu'au bout de... Au bout d'un mois, il vendra des cartes postales, il vendra des t-shirts, il vendra des affiches, il vendra des livres à la mode, mais il ne vendra pas ce qui est la vie même de la cinémathèque. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'une librairie, dans un lieu comme la cinémathèque, elle doit refléter les envies, les partis pris de cette maison. Et c'est les gens qui la dirigent, qui l'animent, qui doivent retrouver dans cette cinémathèque les livres qu'ils ont envie de partager. Ensuite, ils doivent organiser beaucoup de signatures. Il y a quelques auteurs dans la salle qui savent l'importance que ça représente, une signature. Et ça, un libraire ne le fera pas s'il pense vendre 5 ouvrages, alors que la cinémathèque, c'est son devoir. Voilà. Donc je pense que ce n'était absolument pas possible. On en a beaucoup parlé, on n'était pas tous du même avis. Moi, personnellement, je pense que c'est absolument pas possible d'avoir une librairie qui ne soit pas directement liée à la vie de la cinémathèque à chaque instant. Alors, je peux dire aussi que moi, j'ai assisté à la première réunion avec Laurence, avec les libraires.
Ils sont partis, il y avait beaucoup de candidats qui étaient là, il y avait tous les libraires de cinéma de Paris. Ils sont partis très contents. Ils sont partis très contents parce qu'ils se sont dit, on ne risque pas grand-chose. Et après cela, ben, il n'y en a pas eu. Maintenant, je crois que c'est peut-être ça, mais il n'y avait pas de, vraiment pas d'enthousiasme là. Et c'est vraiment un lieu de flamme, un lieu d'irradiation. Et moi, je crois que cette librairie ne peut qu'appartenir à la Cinémathèque. Et son libraire ne peut être qu'un des collaborateurs enthousiastes de la Cinémathèque. Voilà, donc c'était les deux sujets qui devaient être... savoir que l'association soit en conformité sur le plan juridique et fiscal.
faut savoir faire, nous compétences.